Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Civilisation 6 avec la France de Catherine de Médicis. Alors, on continue de développer notre civilisation. On voulait construire peut-être une ville dans cette région-là. À voir. En tout cas, j'ai un colon en production. Ça nous laissera 6 tours pour voir exactement ce qu'on va en faire. Mais j'aimerais bien avoir quand même ce pétrole. C'est une ressource assez stratégique. Le truc étant 1, 2, 3, 4. Ouais, ça serait pas génial. Ce serait vraiment assez proche. C'est ça le problème. Comme vous pouvez le voir, voilà, on peut aller jusque là à peu près, mais on peut pas aller jusqu'à ce pétrole, malheureusement, donc j'ai pas trop le choix. J'aimerais quand même explorer, voyons voir. Toi là, t'en es où maintenant? Mais t'as pas la place par là. Viens là, voilà, merci. Ouais, on va le faire à la main. On va gérer à la main son exploration, parce que... il nous sert pas à grand chose, là. Ah si, il a fait le tour quand même un peu. Bon, on va essayer de... Ah, mais merde, j'ai l'impression que c'est bloqué, le passage il a l'air bloqué ici. D'accord... Bon, du coup, je vais le remettre peut-être en mouvement auto. C'est où déjà? C'est là. Ouais, exploration automatique. Newcastle est assiégé. Ah, contact trouvé. Votre agent Emmerich a trouvé des contacts connaissant parfaitement Boisin Congo. Vos espions dans la ville bénéficieront de 2 niveaux de plus pendant 24 tours. D'accord. Donc, toi, oui, tu vas nous faire ça. Du coup, on devrait avoir... Ah oui, alors ça y est. Donc, du coup, maintenant, voilà, j'ai beaucoup plus de puissance. Alors, pas de chef-d'œuvre à voler, malheureusement. Bien envie de tenter le vol d'optimisation pour voir maintenant qu'on a un petit bonus vol, ce genre de choses. Voyons voir. Du coup, je reste à 5 sur 5. Pourtant, ça c'était censé me donner 0,5 et ça c'était censé me donner 0,5 aussi. C'est surprenant. J'ai pas très bien compris comment ça marchait. Ah, je peux améliorer mes arbalétriers en canon de campagne. On va les améliorer alors. Oh, en plus, ça me donne une inspiration. Cool. Et du coup, ces mecs-là n'ont toujours pas, hein, les mousquetaires. Est-ce que j'avais d'autres arbalétriers? Oui, j'en ai un là-haut. Voilà. Et après, je crois que c'était tout. Ok. Ouais. Et lui, il peut... Non, il peut pas s'améliorer non plus. Bon, bah tour suivant, alors. Il plus que 5 tours pour l'université d'Oxford. J'espère qu'on va arriver à la faire. Oh! Ouais, je sais, merci monsieur de l'Empire. Vous aussi, vous êtes pas mal. Alors, Erevan a fait la paix avec Victoria. C'est qui Erevan? Ah, c'est quelqu'un que j'ai pas encore rencontré. Boum, inspiration, votre ville est surpeuplée, il est temps de lui ajouter dans des banlieues. Dans les travaux d'histoire naturelle, nous cherchons constamment les détails de la fantastique adaptation des animaux à leur nourriture, à leurs habitudes et aux lieux où on les trouve. Alors ça c'est une merveille, point d'artiste illustre et 4 emplacements de chef-d'œuvre artistique. Et ensuite on a un zoo, ok. L'archéologue pourrait être sympa. Changement de doctrine, non, pas spécialement. Ça va pour l'instant. Alors toi tu vas rester du coup en défense là-haut. Toi tu vas rester en défense ici. Et quant à toi tu vas rester en défense là où tu es. Parfait, donc toi qu'est-ce que tu peux faire? Soit la carrière, soit une série, soit... Ouais, bah, on va aller faire la carrière je pense. Oh cool. Or plus 1, production plus 1, nickel. Ah ben un site antique, ben voilà. Est-ce que je peux acheter la case vite fait? Ou est-ce que j'ai besoin d'acheter la case d'ailleurs? Est-ce que je peux pas acheter plutôt l'archéologue? On a un médecin. Il est où l'archéologue? Je le vois pas là. On a à peu près par là, c'est ça? Ouais. C'est une unité pourtant. On va voir. Toi je peux pas t'avoir tant que j'ai pas le nationalisme a priori. Donc on va être obligé de prendre ça, on n'a pas le choix. On va avoir l'acier dans un tour. La tour Eiffel. Attrait plus 2 pour toutes les cases de votre civilisation doit être construite sur un terrain plat adjacent au centre-ville. Ah fuck, j'ai pas de place au centre-ville ici. Quoique on peut peut-être remplacer le blé, hein, parce qu'honnêtement... ouais, on perd 4 de nourriture, mais on peut probablement les compenser en construisant d'autres fermes ailleurs. Ça devrait passer. Ah, on doit envoyer des émissaires. Alors, bah déjà, on va en mettre 2 là. Ce serait son suzerain, a priori. Ouais, c'est ça. Ok. Et qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Je pense que c'était tout pour le moment. Alors, on a encore un site ici. J'ai des emplacements pour les trucs d'archéologue ou pas?
Relique, non. Sculpture, portrait, paysage. Je pense que faudra qu'on fasse probablement à Rouen le musée d'archéologie. Comme ça, on aura des emplacements d'artefacts. Il me donne un de coton contre un d'argent et un accord de recherche. C'est moi qui lui donne l'accord de recherche. Et lui, il m'en donne pas. Un peu abusé quand même, non? Bon, un petit peu de thune au pire. Ouais, ça je veux bien aller, pourquoi pas. Ah, de rien, de rien. Je t'ai donné un d'or par tour. C'est pas non plus énorme. Le Congo commerce avec la France. Ça, on le savait déjà. Perte de suzeraineté sur la cité-état de Kumasi. Fuck. D'accord, c'est monté à 5. Fuck. Et eux s'attaquent à un de mes livres. Non mais je vous jure, on peut rien laisser traîner avec lui. Ok, donc nous avons l'artillerie, les cuirassés et la tour Eiffel. La tour Eiffel, est-ce que je peux la faire à Paris? Mais ça tombe bien, en plus on a un emplacement. Alors déjà, on va construire, on va rechercher, pardon. On parle de la Renaissance, putain. Ouais, ce serait quand même pas mal d'avoir ce genre de choses. Le Big Ben et la bourse. Mais bon, j'ai quand même un boost de recherche pour la chimie, donc on va plutôt aller là en premier. Donc à Paris, dites-moi que je peux faire la tour Eiffel. Yes, 47 tours. Alors, on va supprimer le blé. Est-ce que je peux faire un petit focus production? Là, ça ne croît plus par contre. Et on tombe à 35 tours. Contre 38 tours. Là, on est à 224 tours avant l'essor. Tu m'étonnes. On va peut-être pouvoir s'acheter un bâtisseur, honnêtement. Ah, je suis à 5 sur 6. Il me faut un négociant aussi. Avec la foi, je peux juste acheter des missionnaires et des apôtres. Je vais peut-être me faire un autre bâtisseur, histoire de voir si je peux pas faire quelques fermes. Donc ici je voulais le musée d'archéologie. Voilà. Donc toi tu vas nous faire une scierie ici. Et juste par curiosité, mais est-ce qu'à Paris je peux recruter peut-être un archéologue? Pas d'archéologue. Est-ce que je peux produire un archéologue? Je comprends pas où sont les archéologues. C'était bien une unité. Peut-être. Attendez. Si je fais le musée d'archéologie ici. Merde, ça me dit pas. Héberge des artefacts, construction impossible sur une place du théâtre possédant déjà un musée d'art. Oui, je veux bien, mais. Archéologue. Ah, il faut un musée d'archéologie. Ouais. Bon, bah, ce sera à Rouen, du coup. Donc, on a perdu la suzeraineté ici. On a amélioré nos routes. On a 4 nouvelles quêtes de cité-état. Viens voir. Convertir à notre religion, ça, on peut le faire. Ça, on peut le faire. Viens voir. Ah, j'ai pas de... Ah, j'ai pas de truc par ici. Bon, on va l'acheter à Paris, du coup. On va prendre un apôtre pour faire ça. Ok. Ensuite, donc, on a... Merde, ça me dit pas pour les autres. Établir une route commerciale avec Erevan. Construire un lieu sain. Ça, on est en train de le faire. Déclencher un Eureka pour la combustion. Ouais. Ingénieur Elus, ça va bientôt arriver. Convertir à notre religion. Amiral Elus, c'est pas pour tout de suite. Encore. Et convertir à votre religion. Ici aussi. Je crois que j'ai déjà dépensé tous mes missionnaires, malheureusement. Ok, donc on va essayer de convertir les deux à notre religion. On va voir, j'ai encore 206 de foi. Donc c'est pas assez, il va falloir attendre un petit peu. Route maximale augmentée, donc on est à 5 sur 6 maintenant. Donc probablement qu'on construira ça, je sais pas, peut-être à Toulouse ou à Nantes. Oula. Oula là là là. Rome commence à envoyer ses apôtres. Ça me va pas, ça. Ça me va pas du tout. Mais voir, je suis à 246, que je peux en construire un autre, donc ce sera au prochain tour, et je vais démarrer une inquisition, je pense. Ouais, mais non. Deux habitations suffisantes à Paris, du coup, maintenant. Ok. Voyons voir, le bâtisseur. D'ailleurs, j'en ai un ici, qu'est-ce qu'il fout?
Ok. Ah, je peux faire un... Je peux en faire un. Où ce truc-là? Ok. Gardons un œil sur cet apôtre. Et qu'il est menaçant. Qu'est-ce qu'il me dit quoi ce conseil? Ah mais j'ai jamais fait de... Bah oui. Obligé. Et on va faire ici enclos. Voyons voir. Marseille. De Marseille. Où est-ce qu'on va envoyer putain, Nandmadol. C'est vrai que c'était toujours aussi intéressant. Et peut-être partir d'ailleurs, non? Je fais partir de Rennes. Ça va traverser plus de... Ça va traverser plus de mes villes qui ont des comptoirs commerciaux. Défaite majeure. Ah. Ah, il a une bonne puissance. Sa théocratie. On va voir. Je peux lancer une inquisition. L'amitié qui vous liait à Mvambazinga était terminée. On reste amis. Oui. Ah, on peut discuter. Essayer de m'espionner. Bon, enfin, vu que je suis en train de l'espionner aussi, ce sera un peu du foutage de gueule quand même. On va voir. Ouais. Un inquisiteur, du coup, je peux acheter maintenant? Oui, ça coûte que 100 fois, d'accord. Et du coup, il a que 75 de puissance religieuse. Mais je crois qu'ils peuvent se servir des lieux saints pour se régénérer, un truc dans ce genre-là. Attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller jeter un œil. Un inquisiteur. Faire disparaître les autres religions de son territoire et entamer un combat théologique avec les unités d'une autre religion. D'accord. Ça a des propagations, ça aussi, en fait. Mais ça marche uniquement sur son territoire, j'ai l'impression. Le Congo a abandonné l'idée d'une victoire de type scientifique. Ces savants messieurs d'Oxford savent ce qu'il y a à savoir. Mais leur intelligence n'arrive pas à la cheville de celle de monsieur Crapaud. Et ben voilà, une belle université d'Oxford, juste à côté de notre complexe scientifique. Toutes les plus belles histoires d'amour s'épanouissent. Rempart de la Renaissance, ok. Un atterrissage, vous pouvez ah oui à pied, c'est qu'il ah mais oui, c'est vrai que l'université si d'Oxford a donné deux technos, je crois. C'est qu'il était exceptionnel. Donc on a le hangar. Ok. Un aérodrome, c'est un quartier qui peut construire et entreposer des avions. Alors, on a le ballon d'observation, le biplan et la piste d'atterrissage. Ingénieur militaire, peut héberger 3 unités aériennes, ne peut être construit que sur un terrain plat. Bon bah c'est cool. Voyons voir, notre bâtisseur c'est lequel? C'est celui-là là-haut. Alors qu'est-ce qu'il me propose d'autre? Ferme là-haut, bon, on va plutôt descendre ici pour faire ça, comme ça sera fait. Alors nous avons un colon. Le colon il nous dit on peut se mettre là si on veut. Mais là ça serait parfait en fait. Bon, déjà, je vais l'envoyer jusqu'à Rennes. Ça va traverser notre territoire, j'ai l'impression. Voilà. Donc toi, du coup, on avait dit Nandmadol. Ça va nous faire gagner des thunes. Après, du coup, à Marseille. À Marseille, un réseau d'égouts serait adapté. Un petit atelier pour augmenter la production, sinon. Ouais, ça serait pas mal, ça aussi. Ouais, on va faire un petit atelier vite fait. Après à Nantes. À Nantes. Il y a un campement. Non, je vais faire un négociant. J'ai une route commerciale de disponible. Et d'ailleurs, il faut que j'envoie un autre bâtisseur par ici pour faire des scieries, augmenter la... Parce qu'en termes de production de nourriture, on est bien.
Qu'est-ce que c'est ça? Ah, notre inquisiteur. Défaite majeure. On va le tenter quand même pour voir. On a un petit comptoir commercial. D'accord, qui a été construit. Ça, j'en étais sûr. Bon, c'est les apôtres, hein, c'est difficile à buter aussi. Hein. Ça, il me faut un autre inquisiteur. Il a 228, je peux en faire deux autres si je veux. Ah, attendez, lui, il me propose une petite ferme. Est-ce que je peux y faire quelque chose ici? Aménagement de carrière, implantation, mine. Non, a priori, je peux rien faire avec lui. On a les servidés sinon. On va les faire. Du coup. Waouh. Ça c'est pas mal ça. Bonus intéressant. Alors là par contre, ouais, je vais prendre cher dans ma race. 106 contre 117. Voyons voir. Si je reviens peut-être. Oui. Ah merde, il aurait fallu que je me déplace. Bon, c'est pas grave. On construira un autre prochain tour. Je vais essayer de voir si lui, il va se réparer. Alors, notre colon... Oh merde. J'ai l'impression que la Russie est en train d'essayer de faire la même chose. Chier. Ah mais c'est un missionnaire catholique. C'est bon, c'est chez moi, c'est moi ça déjà. Pourquoi il vient propager le catholicisme chez moi? Il est con. Je suis l'origine du catholicisme. Les chimistes n'ont pas pour habitude de bégayer. Ok. Ce serait tout de même bien embêtant dans un corps de métier où l'on prononce du 5 de science, des mots comme un point de savant illustre. Méthyléthylaminophélinium. J'ai bien dit? Je sais pas. Voyons voir. Construisez des banques. Ça, on en a fait aucune. Détruisez une unité avec un chevalier, c'est pas pour tout de suite. Cavalerie. Ah, le garde impérial. Ce serait pas mal de l'avoir, c'est notre unité spéciale à nous. Non, on trouverait le charbon. Ouais, on va aller vers la science militaire pour débloquer notre unité à nous, comme ça on va pouvoir l'améliorer. Donc à Toulouse, qu'est-ce qu'on doit y construire à Toulouse maintenant? Bon, en termes d'activité, on est déjà large. Il me conseille le Colosse. On n'a jamais fait le Colosse, sinon on a la Rure. Sinon, on a... Non, on n'a pas grand-chose. Former une unité navale peut-être. Alors, on en est encore au Corsel et au Caravelle. Ouais mais surtout c'est que de ce côté là, si cette mer ne permet pas d'aller dans l'autre mer, ça sert à rien de construire une unité par ici. Le Colosse. Trois négociants doit être construit sur la côte. Ouais, vous savez quoi, on va le faire. On va le faire parce qu'on a la place. Ça prend pas longtemps en plus. On a le grand phare, on va avoir le Colosse. Les organismes ne considèrent bonjour. Pas le CO2 comme une barrière de corail. Les plantes et les organismes sécrétant leur propre exosquelette, comme le corail, le considèrent comme un bloc de construction. Ok. Il est où l'apôtre? Oh, bonjour. Donc défaite majeure. Viens voir si toi je te fais reculer, genre ici. Et du coup, à Paris. Recrute un autre inquisiteur. Je devrais pouvoir t'attaquer. Ça lui fait un peu plus de dégâts. Ouais. Ouais, là, ça serait quand même assez violent. Tu vas passer ton tour, toi. Ok. C'est sympa la grande barrière de corail. Il faut coloniser par ici, en fait. Non, ça va. Oh putain, il a pris cher. Ah, bonjour. Non, c'est qui déjà? C'est les traces, je crois. Un truc dans ce genre. Ouais, je suis entièrement d'accord, j'ai compris tout ce que tu viens de me dire. Nous vivrons en paix. Souhaitez-vous visiter notre cité voisine et goûter à notre hospitalité? Fort bien. Au revoir. Bienvenue.
Ok, bon ben on va l'éliminer. Voter éliminé, voter éliminé. J'ai l'impression que j'ai été beaucoup plus fort. Wow. Oh, un petit Eureka. Cool. Nos soldats ont appris à réunir deux unités militaires dans un même régiment. C'est le nationalisme qui crée les nations, et pas le contraire. Alors, production, plus 50% pour les unités de combat rapprochées, ça serait peut-être pas mal de se le donner, ça, parce que je vais peut-être construire quelques unités. Ouais, les activités plus 1, c'est quand même sympa. Et coût de réduction, enfin, on se fait pas mal de thunes déjà, donc honnêtement... Quoi déjà, production plus 50% pour les unités de combat rapprochées à distance, des serres industrielles et modernes. Donc je vais mettre ça à la place de ça. La grande armée, tout à fait adaptée la grande armée, n'est-ce pas? Bon, je peux attaquer? Yes. À mort! Les mecs, ils font des batailles de rap en fait. Voilà, l'islam a été réduit. Dans la région. Qu'est-ce que c'est donc? Mon inquisiteur. Je le mets là. Je passe mon tour. Et si je passe mon tour avec toi aussi. Mais on va voir. Ok, donc on a un... T'as bien une route commerciale avec Buenos Aires. Bah voilà. On va enfin la faire. Non, après, ouais, il y a quand même des bonus fort sympathiques avec les autres cités. Non, on va faire notre quête. Comme ça sera fait. Ok, voler le chef-d'œuvre, le corbeau. Ouh. Ça, je veux bien essayer. Ah, en plus, il se déplace, d'accord. Donc, qu'est-ce que c'est ça? On a rencontré une nouvelle civilisation, ça on le savait. On peut acheter un inquisiteur avec de la foi, d'accord. Habitation insuffisante à Rouen. Vol d'observation technologique réussi. Promotion d'unité. Et c'est un quoi? Ah, c'est notre espion. Et nous avons réussi la quête de la cité-état. Buenos Aires. On est à 7 du coup. C'est nous le suzerain. Parfait tout ça. Parfait, parfait. Donc on va gagner un de pop à Rennes. On est à 5 sur 6 maintenant. Nickel. Bon, on est à quoi? On est encore à 5 tours avant d'avoir le musée archéologique. Un petit boost là-dessus. Non, ça change pas grand-chose quoi. Alors, choisir un dogme. La terre brûlée, pillage rapporte deux fois plus, coût des colons réduit et point de généraliste par tour. Ou le quartier résidentiel, ça c'est cool. Faut le quartier résidentiel. Augmenter les habitations. Alors qu'est-ce qu'on va faire à Nantes? Zone industrielle me semble adaptée. On a du plus de production ici. Ouais, j'ai pas trop envie de perdre ma mine. Ça nous fait 5 de production quand même. Non, il me conseille le labo de recherche. Ah merde. Ouais, ça me va au pire. Ouais, on va faire le labo de recherche. Ok. Oh, un missionnaire. Par contre, j'ai l'impression que mes inquisiteurs se... Ah, si, regardez, plus 40. Il s'est soigné. Intéressant. Donc si j'attaque, impasse. Si j'attaque, défaite majeure. Bon, déjà, on va se faire lui. Qu'est-ce que j'ai? Territoire allié, plus 35. Et avec lui, unité endommagée, d'accord. Je vais un peu... Je vais attaquer avec lui, c'est même problème. On va plutôt rester là. Lui aussi. Je vais acheter un autre missionnaire si je veux, ouais. Alors, à Marseille, un réseau d'égouts serait tout à fait adapté. Alors c'est rigolo, ça me dit 10 tours et dès que je le lance, ça me donne 8. Je pense que c'est parce que j'ai une réserve de production en fait, due à la construction précédente en fait. Et merde, il m'a fait Smolensk. Oh l'enculé. Ça me va pas ça. Ça me va pas du tout. Ouais. Au revoir. On va faire des unités militaires. On va acheter même des unités militaires. On va voir qu'est-ce que je peux acheter ici. Ou que dalle.
Ah mais c'est parce qu'il y a une unité sur place, d'accord. Ah mais elle, je peux l'améliorer en unité anti-char, ok. Ça c'est fait, et en termes d'achat, je peux avoir un cavalier. Alors ce qu'il me faudrait, c'est un truc de siège. Quoi, c'est le canon de campagne? Non, le canon de campagne, c'est une unité de tir. L'artillerie qu'il me faut, mais elle coûte trop cher. Ok. Le problème, c'est que si je veux construire des unités, je les fais où? Ouais. Bon, de toute façon, j'ai quelques tours devant moi. Faut peut-être prendre quand même ça. Et commencer à le déplacer vers là. Parce que ça, je vais le raser. Je vais lui prendre. Je m'en fous. Mais je suis pas d'accord là. Mon emplacement. J'avais amené mon colon exprès. D'ailleurs, eux, ils peuvent pas être améliorés maintenant. Non, toujours pas. D'accord. Port majeur. Oh putain, il y a encore un apôtre ici. Là, on voit que l'islam a commencé à être propagé un petit peu. Pas tué, il en reste un tout petit peu. Voilà, là c'est bon. Faut y aller quand même. Ok, donc ce colon, du coup, vu que j'ai plus la place. Au pire, on peut se foutre là, hein, c'est un emplacement intéressant. Hein. Avec les deux ressources de blé. Bon, c'est quand même vachement proche de Rouen et de Paris. Ici, limite, serait même meilleur. Quoique là, on a. Parce que bon, depuis Paris, là, ouais, ça, on exploite jusque là-bas. Hein. Donc si je mets une ville là, quand même vachement proche des deux. Le Rouen pourra exploiter une partie de ses ressources. Je vais être trop proche de Candie aussi. Bon, sinon, c'est quoi? On va partir à l'exploration maritime. Au pire, si je la perds, c'est pas grave. Voyons voir. Bon, je vais commencer à rameuter mes mousquetaires. De toute façon, bientôt, je devrais avoir la garde impériale. Là, je vais pouvoir améliorer mes mousquetaires. Ok. Bon, tout d'un coup, lui, il est pas content. Oh merde, faudrait peut-être que j'arrête mon épisode, ça fait un moment qu'il doit être terminé. Donc bon, écoutez les amis, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir suivi. On va juste finir ce mec-là. Et voilà, donc je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très 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 bientôt pour le prochain épisode de ce Let's Play. Salut à tous, et a priori demain, je pense. Bye bye.